Cela aurait pu arriver, chère Alice. Connaissiez-vous le pauvre monsieur Crook? Mort, calciné. Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées, mais monsieur Dickens avait raison. Chez le chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois trompeuses, Idelle. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal ? T'amuses bien, Lydia? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie si j'ai besoin. Quelle humeur de chien! La question n'est pas si tu as besoin, Lydia, c'est quand. Bah, tiens bon, et comme on dit, et toi? Bien sûr, facile à dire. Heureusement que je n'ai rien de cassé. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Lizzie, te souviens-tu de cette vapeur qui a soulevé ta robe par-dessus ta tête? C'était juste devant chez Harrods. Heureusement que je venais de laver ta culotte. Thank you.
Je t'ouvre mon cœur, Alice, pour toujours, sans limite, pas de serrure. Regarde bien ces briques, Alice. De bonnes pierres, solides et robustes, qui résisteront au feu et aux pluies, et à tous les pervers qui traînent dans les rues par les temps qui courent. Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer. Thank you.
pressé par le temps. Trouve-le, ou tu en seras à court. Nous allons tous brûler dans nos lits, Alice, à cause de la passion dévorante de ton père pour les journaux. Tout cet amoncellement hautement inflammable n'a besoin que d'une simple étincelle, et pouf! Nous ne sommes plus que fumée et cendres. La bibliothèque était un piège. Un grand incendie, prêt à se répandre.
Réveille maintenant. Cauchemar? Non. Mauvais rêve. Bonne nuit. Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui, hein, quoi? Mais pas à ce point. C'est toi. Qu'est-il arrivé à votre chapeau et à vos autres membres? Perdu, tu vois. Mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leur perte. Pour ce qui arrive, tu dois mieux savoir que moi. Chacun sa place après tout et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place? Et comment y rester? Maintenant, que se passe-t-il? Ah! Voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux, et par les narines, par le gosier, jusque dans les boyaux. Mon père était passionné par les trains, ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas celui-là. Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voix, ce n'est qu'un désastre sanglant. À la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernal. Ah, bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice. Les fous dirigent l'asile. Tu le sais. Et le plus dur, je n'ai plus de thé. Atroce. Si je vous aide, vous m'aiderez en retour. Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge.